Où c'est l'homme qui a clairé bien? Où c'est lui? Miasou! Appendez, Seigneur, à une parole. Jusqu'au commencement, était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ma bien vite à l'ouvrir Bible avec moi, nous praler dans Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, verset 10, un verset que nous connaissons très bien, qui dit, le volet a vini, c'est volo, livin volo. C'est touillé, livin touillé. C'est détruit, livin détruit. C'est ça assez li vin fait. Moi-même, moi vin pour moun ka gen la vie. Et puis pour yo gagner en quantité. Amen. 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 Que bon Dieu bénisse portion écriture ça pour édification de chaque monde qui l'a. Alléluia au nom de Jésus. Bon Dieu fait le pauvre pour nous car riche. Amen. 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 Bon Dieu fait le pauvre pour nous car riche. Parce que bon Dieu voulait que nous riches. Dans moi, héritage divin, ou même qui en Christ, ou même qui ont identité christique, ou ont identité en Christ, ou c'est petit bon Dieu, ou gen droit à un héritage, et selon promesse bon Dieu, parce que, ou en Christ, ou son nouvelle créature, ou en Christ, ou vin yon saint, parce que moun ki en Christ yo vin saint, selon ça que la parole de Dieu dit nous. Parce que li dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 16, li apprend nous, li dit nous, vous serez saint, car je suis saint. La paix bon Dieu avec vous. Amen, amen. Et identité ça, mes bien-aimés, vin fait de ou tout, petit bon Dieu, l'on vin en Christ là. Parce que c'est ça qu'elle dit nous, ceux qui ont reçu la parole de l'évangile ont par conséquent reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Jean 1er, verset 12. Comme ça, on vit une petite bon Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Galates 3, 26. Amen. Donc, comprenez bien. De petite, on vit une kounia, yon temple, on vit une temple Saint-Esprit, on vit une tourner kounia, yon habitation bon Dieu. Ouais? On vit une habitation, mon Dieu, ou c'est résidence privée, mon Dieu. Alléluia. Parce que il dit, oh, si vous êtes enfant de Dieu, alors l'Esprit de Dieu demeure en vous. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 17, qui dit ça. Donc, il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas. Alléluia. Romains 8, 9. Parce que, l'idou, ce n'est pas parce qu'on va, c'est pas parce que mes bien-aimés, ou auprès de l'église, ou à assister service, yo, c'est pas parce que ou fait bagage ou qu'il faut petit bon Dieu, non? C'est parce qu'on habite, oui,
par la personne du Saint-Esprit. C'est parce que Saint-Esprit, c'est parce que où c'est temple Saint-Esprit, Saint-Esprit habite dans où, et qui fait qu'on est capable d'affirmer ou qu'a dit avec certitude que ou pour Christ. Donc c'est l'Esprit bon Dieu qui témoignait à l'Esprit, non, que ou c'est petit bon Dieu. La paix bon Dieu avec vous. Nous jouons une parole ça dans Romains chapitre 8, verset 16. Et nous jouons tout dans 1 Jean chapitre 5, verset 6. Donc c'est ça qui vient fait que nous prenons honorer le temple. Moi-même, j'ai ce temple, je ne peux pas faire n'importe quoi comme. Donc, je vais veiller à ce que le temple soit toujours normal, il est toujours clean, je ne peux pas attrister. Donc, je ne peux pas attrister Saint-Esprit qui habite dans moi. Saint-Esprit qui s'élève pour ça, la Bible, le jour de la rédemption. Éphésiens 4, 3. Mm-hmm. Donc, c'est ça que fait mes bien-aimés. Le parole, ça, vous parlez. Tout bagaille au fait en Christ, c'est ça que fait. En tant que petit bon Dieu, moi en Christ, où est ça? Moi montre là, où vine kounya là, roi et sacrificateur pour bon Dieu. Mm-hmm. Où vine épouse Christ. Okay. Comprenez bien, oui? Et c'est ça qui vine m'en droit à un héritage. Kounya héritage là, vine fait que moi joigne en Christ. C'est ça que fait. Ou est texte de référence nous gagnons, il dit ça. Rendons grâce au Père, si vous prenez depuis dans 12 là, pour arriver dans 14, qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1er, les versets 12 à 14. Donc, nous, c'est petit légitime, mon Dieu, en Jésus-Christ. Et c'est ça que fait, si nous, c'est petit Jésus-Christ, nous, c'est héritier, ça que fait le Seigneur Jésus, vient dire nous là, à Soya. Les vols ont venu, et ça que pas qu'à comporter n'importe qui, Jean. Mm-hmm. Pas qu'à comporter n'importe qui, Jean. Parce que pas n'importe monde. Le Seigneur vient dire, lui-même, li vini pou m ka gen la vie. Gade bien, mes bien-aimés. Bon Dieu nous son bon Dieu abondance. Est-ce que nous avons? Amen. Amen. Bon Dieu son bon Dieu abondance. Héritage que li gen pour nous, hein? Héritage là, son héritage d'abondance. Parce que Jésus vini, li vini ban nous la vie surnaturelle li, la vie abondante li. Et ça fait li accepter échange là, comprenez bien oui. Et ça fait li vini le dit là moi-même, li fin bon nous voloa, li camper pour nous. Li camper pour nous travail voloa. Li camper pour nous mission voloa. Qui sa voloa ge pou le faire? Li vin di nou exactement mission voloa. L'el fin di nou mission voloa et il dou kounya mwen même. Mais pour qui sa m vini? Mwen vin pou moun ka gen la vie. Et qui la vie, mes bien-aimés? C'est ça ou l'on vit surnaturel exactement. On vit surnaturel et abondante. Donc c'est ça que fait li accepter échange là. Pour le bon la vie surnaturel et abondante ça. Faut qu'on échange qui fait. Mm-hmm. Ouais, faut qu'on échange et ça que les deux. Non seulement les vins pour la vie surnaturelle, et puis il dit pour gagner la vie ça en quantité. Ouais, bon Dieu abondance là. Mm-hmm. Pour gagner en quantité. Qu'on y a accepté fait échange là, les changer, les bailler la ville. La ville qui pas gen aucune faute la donne, la ville qui pas gen aucune souillure la donne, la ville qui pas gen aucune impureté la donne, la ville qui pas gen aucune saleté la donne, li accepter bay vi sa. En échange à qui est? En échange à Paul là. Qui gen impureté, qui gen souillure, qui gen crasse, qui gen saleté, qui gen toute qualité la donne.
C'est peut-être ça, mes bien-aimés. Les quitter, mes bien-aimés, foule là. Les quitter, les passer, lorsque foule l'a proposé, bon Dieu, quitter sa fête. Lorsque foule l'a proposé pour yo libérer Barabbas. Ouais? Les quitter le passé. Parce que fort mission était accomplie. Les accepter, les quitter le passé pour yo libérer Barabbas dans place li. Et yo condamner Barabbas dans place li. Luc 23, 25 dit, il libère celui qu'ils ont demandé, Barabbas. Pourtant, on l'avait mis en prison parce qu'il avait tué quelqu'un. Attendez bien, mes bien-aimés. Pendant une révolte contre les Romains. Et Pilate livre Jésus à la foule en leur disant, faites-lui ce que vous voulez. Faites ça, nous voulons avec elle. Où est-ce changé? Nous échangeons. Donc là, mes bien-aimés, Jésus-Christ vini, j'en ai tapé tout à l'heure, il vient révéler l'amour mon Dieu pour petit Lio. Il remet nous et il nous non seulement ou premier gros héritage qu'on gagne, c'est la vie éternelle. La paix mon Dieu à vous. Amen. Premier gros héritage que le Seigneur Jésus vient ban nous, Christ vient ban nous à partir de la mort, c'est l'héritage de la vie éternelle. Ouais, et c'est promesse la vie ça que l'y faire. Promesse la vie ça qui en Jésus-Christ que apôtre yo annoncé à toute nation yo, que apôtre yo prêché dans l'évangile, que yo prêché dans 2 Timothée chapitre 1er le verset 1er. Donc c'est ça qui vient faire que mes bien-aimés nous justifier par grâce là. C'est grâce là qui justifie nous. Nous vienne kounia là, gagnon espérance. Nous vienne héritier la vie éternelle selon Tite chapitre 3 verset 7. Est-ce que nous avons? Amen. Donc gardez pour eux. Ou vienne gagner kounia tout royaume là. Réuni puissance li, grâce li, richesse li. Waouh. Tout ça yo a ou même, oui. Tout ça yo a ou même comme héritier. Parce que c'est ça qui vient ba ou richesse là, li vle que petit li yo riche, li vle que tout petit li yo riche, li fait le pauvre pour ou même pour ka riche. Parce que bon Dieu pas vle mes bien-aimés que petit li yo moun gen pitié. Li pa vle petit li yo inspirer pitié. Li pa vle que l'op gade un petit bon Dieu pour gen pitié pour lui. Vous dit gade ta li. Oh! Wow! Bon diab! Li pa vle ça. Compassion. Li pa engendré, qui te m'dou mes bien-aimés. Bon Dieu pa engendré si pauvre, sinon capable de dire comme ça. Li pa engendré aucun petit. Pauvre. Comprenez bien ça m'a dit nous là, oui. Ça veut dire des monde qui pas disposé de ressources. Là yo dit pauvre là, c'est des monde, c'est un monde qui pas disposé de ressources suffisantes. Et monde ça a vivre dans la misère. Donc depuis monde dans la condition ça et yo dit que monde ça li nan niveau, li nan catégorie pauvre. Non, c'est pas là nous y est. Li vle que ou riche. Et li déjà, mes bien-aimés, li déjà fait de ou yon héritier. Est-ce que nous avons là? Li déjà fait de ou un héritier de toute richesse spirituelle li yo. Li fait de ou yon héritier de toute richesse matérielle li yo. Li fait de ou yon héritier de toute richesse financière li yo. Koun yon wap di la, mais pasteur Karl, on pas comprendre du tout ce qu'il dit là, non? Koto joine nous ça dit là. Galates chapitre 4 verset 7, qui ça le dit? Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Mais côté me joine ni. La paix bon Dieu avec vous.
Amen. Amen. M'a vle complexer encore. Amen. Bon Dieu pa vle complexer, bon Dieu pa vle apitoyer sous situation pour di gade tao. A soi moi vinn di bon Dieu vle que ou comporte en monde riche. Bon Dieu vle qu'on comporte en monde parce que li fait de ou yon héritier. Héritier de toute richesse spirituelle, matérielle et financière. Galates chapitre 4 verset 7. Tout pas songer en rien. Dans parole là à soya kembe verset ça pour. Sou pas kembe en rien dans tout ça me partage avec vous là, mais kembe grain verset ça pour. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Pas quitter aucun monde complexé, pas quitter aucun monde faut marcher tête en bas parce qu'on pas gain machine. Parce qu'on pas propriété caille. Pas quitter aucun monde rend nous complexé parce qu'on pas gain matériel ça yo. Accepter vérité divine ça. Et changer façon de penser aujourd'hui. Le Seigneur vient dire pour changer façon penser yo. Nous penser en pauvre, comprenez bien ça. Nous penser en esclave. Et c'est ça que fait le Seigneur te voyer parole là pour formation pour hier soir d'où chasser mentalité esclave là. N'a vivre avec une mentalité esclave dans l'église là. Oui. Tu n'es plus esclave. Ou pas esclave encore. Pas quitter aucun monde, mais non la donne. Ou c'est petite. Donc, obéissance petite là, faut gagner. Et c'est petite là qui a droit à héritage là. C'est parce qu'au petit qui fait que ou son héritier. Par la grâce de Dieu. Je dis à changer façon penser. Amen. Pas garder mankou. Pas garder mankou à soi. Pas garder son manqué. Pas garder son pas gagné. Suspend focus sur son pas gagné. Suspend méditer le manque. Parce que esclave là, le lap garder, il toujours garder ça le pas gagné. C'est esclave là qui pense comme ça. Esclave a toujours médité le manque. Esclave a toujours abgardé ça pas gagné. Il toujours médité ça le manqué, ça pas gagné, mais il pas jamais prend temps pour louer bon Dieu pour ça le gagné. Assoi le Seigneur vient nous pour parler à Namou. Commander Namou assoi pour dire Namou pour faire Namou connaître que son monde riche que lié. Pour faire Namou connaître que ou riche parce qu'on a toute richesse divine à disposition. Dis namou à soi qu'on refuse croire que ou sont pauvres. Dis namou à soi qu'on refuse croire que ou sont esclaves parce qu'on pas esclave encore. Dis moi accepter et moi recevoir avec cœur content tout héritage moi en Christ. Alléluia. Dis moi accepter et moi recevoir avec cœur content tout héritage moi gagné en Jésus-Christ. Amen. Bon Dieu voulait que ou riche. Même si conditions que ou a vivre actuellement les présenter des manquements mes bien-aimés. Même si ou a vivre des situations côté vraiment ou en difficulté à soi moi viens dire c'est pas destiné. Ou pas comprendre ça que dit. Ou pas comprendre ça que dit. À soi moi viens dire c'est pas destiné ou pas fini comme ça. Non. Ou a passé par un temps de formation. Oh, assois le Seigneur vient dire soit vive la jodia. Il fait partie de formation. Amen. Soit vive jodia. Soit vive actuellement. Il fait partie de formation. On a un temps de formation. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne. Que tu ne connaissais pas. Et que n'avais pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain,
mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Assoyez, frère, monsieur, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous passez un temps de manque, si jodi a un manquement, si jodi a un petit problème, si jodi a une difficulté pour joindre les deux bouts, si jodi a un petit problème, bagay yo paraît compliqué, bagay yo paraît coincé, bagay yo paraît dur. Moi je veux connaître que le Seigneur a éprouvé yo. Je veux connaître à soya que on a un temps de formation. On a un temps côté le Seigneur a éprouvé yo pour capable apprécier degré d'attachement à lui-même parce que sont pas éprouvé ou pas qu'à approuver devant mon Dieu. La former autour pour capable gérer le peu, pour le capable confier au demain le beaucoup. Au barème, alléluia. Sous pas qu'à gérer le peu, amen. Il pas qu'à confier au beaucoup. Sous pas qu'à gérer le peu, ou pas capable gérer beaucoup. Sous pas qu'à gérer peu, hein? Sous pas qu'à gérer tical là, il pas capable ou pas qu'à gérer en pile là. Amen. Je dis à moi, vlo conscient de héritage. Moi, vlo conscient de héritage. C'est pas pour rien que le Seigneur, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur voyait pour nous, t'aime ça, mes bien-aimés, l'héritage divin. Parce que le Seigneur, ouais, mentalité que nous avons développée. Mentalité esclave que nous avons vécu là-dedans. Mentalité de pauvreté que nous vivons là-dedans. Nous sentons à l'aise là-dedans dans l'église. Là. Le Seigneur vient nous dire non à toute mentalité d'esclave. Non à toute mentalité de pauvreté. Conscient de héritage, conscient de statut d'héritier. Conscient de statut de co-héritier en Christ. Et qui et c'est mentalité pauvreté ça oui c'est mentalité esclave ça qui pousse nous à dire nous pas gain rien nous pas capable de pourtant de ces monde qui pas capable de pourtant de ces monde qui pas gain rien de pourtant de ces monde qui pour dire moi même tout mon ca faire ça tout moi limité ah manquer mon pile petit manque là quand même pas capable avancer esclave pauvre. Ou David est conscient mes bien-aimés de fidélité à mon Dieu. J'étais conscient de responsabilité en tant que berger. Et je te connais que rien pas jamais manquer et que bon Dieu là c'est lire les Jéhovah Jireh. Le Dieu pourvoyeur, la pouvoir à tout besoin. Et ça que est capable de déclarer dans Psaume 23 le verset 1er, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. C'est même jamais bien-aimé. Il était développé. David était conscient de héritage. Il était conscient que ils sont héritiers de Dieu. Et ça fait jodi à le Seigneur vient dire pour développer la mentalité d'un héritier de Dieu. Pour sortir dans la mentalité de pauvreté et pour capable kounia ou mentalité de héritier de Dieu. Alléluia. Bon Dieu. Quoi que source là li intarissable source mon Dieu pas jamais fini mes bien-aimés et m'vlo connait m'vlo croit m'vlo accepter que mon Dieu déjà pourvoit à tout besoin entendez bon Dieu déjà pourvoit à tout besoin entendez ou pral wè nan jou k'ap vini yo ou pa manke rien l'autre conscience de qui moun koyé l'autre conscience de qui moun koyé l'autre conscience l'a adopté la mentalité d'un héritier de Dieu pour sortir dans mentalité de pauvreté a ou pral wè qui ça bon Dieu a ou pral qui moun qui bon Dieu a ou pral wèl parce qu'on pral commencer par manyen richesse là ou pral commencer par toucher alléluia selon Agé chapitre 2 le verset 8 les pral dou l'argent est à moi et l'or est à moi dit l'Éternel des armées tout temps n'a répété mais nous pourquoi j'aime croel nous pourquoi j'aime croel alléluia ou pourquoi j'aime croel ou répéter vous faites tout nos slogans mon pourquoi j'aime entrer ou pourquoi j'aime saisir cette vérité divine qui dit l'argent est à moi et l'or est à moi dit l'Éternel des armées côté il y a c'est pour la prendre baou alléluia posséder
possédé par la foi ton héritage financier. Parce que papa déjà baoule, papa déjà bon, tout richesse déjà fait de un héritier. Changez, je dis, ya. Le Seigneur vient pour changer de façon où est richesse. Ou pas que nous, même avec tout le monde. Richesse à l'aujourd'hui dans la bénédiction divine. Ou gagne déjà. Ou béni déjà. Ou béni déjà. Amen. Pas compromettre statut de riche ou. Pas venir baisser tête devant aucun monde. Pour marcher tant qu'on pauvre. Pour parler tant qu'on pauvre. Pour réfléchir tant qu'on pauvre. Ou son héritier de Dieu. Amen. Accepter ça que bon Dieu dit ou. Et non sa réalité à bas ou. Posséder ça, bon Dieu, met à disposition. Parce que bon, diable a pas de richesse, mes bien-aimés. Diable a un point le bail. Ça veut dire diable a un gage. Il n'y a pas de richesse. Son ouais, mon apou, les sous yo, là, que qui sorti dans diable a varé les richesses. Diable a un esclavage. Il y a un monde esclave. Ça va avoir son gage lié, son point lié. Il n'y a pas pour ouvrir. Et ça fait le Seigneur Bindou là. Mais qui ça le fait? Volé à l'alvini, li vin volo, li touye, li détruit. Et ça le fait assez. Mais bon Dieu, li baye la vie. Christ vini, li baye la vie. Parce que bon Dieu vle qu'on riche, bon Dieu vle qu'on vive en abondance. Pas besoin de forcer relation à personne. C'est pour question de nan qui font miko sorti. C'est pour question de qui non kopote. C'est pour question de qui race qu'on sorti. C'est pour question de qui zone qu'on sorti. Je dis à son question de accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Pour capable vivre riche. Parce que en Jésus, c'est là et dans lui où vient toute bagaille. Nous avons tout pleinement en lui. Donc Jésus-Christ vini, lui communiquer nos grâces de l'abondance. Lui communiquer nos grâces abondance à mes bien-aimés. Qui c'est expression l'amour, bonté, bon Dieu. Donc je dis alors gagne ou gagne abondance. Donc ou pas gagne rien pour envier à aucun monde ou est bien mené. Pour occuper d'aucun monde ou est cap rouler sous l'eau qui sont impressions qui sont leur que lié mes bien-aimés mais au fond sont ces esclaves moun nan pas libre. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 dit nous car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. À vous-même, pour saisir richesse ça. À vous-même, pour recevoir héritage. À vous-même, pour recevoir abondance. Je dis, job là, c'est dans mon, job là, c'est pour vous. Bal là, c'est dans piolier. Recevoir héritage. Recevoir abondance. Que grâce, mon Dieu, accompagne au chaque jour. Que bonheur accompagne au chaque jour. Que l'Éternel s'héberge au, afin qu'on ne pas jamais manquer un rien. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.